Bonsoir. Membres du jury, mesdames et messieurs, la chorale Nouvelle Harmonie et son directeur Marco Benec ont le plaisir d'être parmi vous et vous saluent cordialement. Cette année, il y a 20 ans que notre chorale a été créée, dirigée à l'époque par Paola Stermotic, avec laquelle nous avons toujours maintenu des liens d'amitié et des relations régulières. Pour fêter l'événement, nous avons accueilli avec enthousiasme la proposition de notre directeur et nous avons enregistré un second CD qui sortira très prochainement. Certes, au cours des années, notre cœur a évolué, mais nous avons voulu conserver la spontanéité de nos débuts et cette envie de partager avec le public, par-dessus tout, l'émotion et la joie de chanter. Je vous présente aussi deux nouvelles choristes. Cinzia. Et Maria Luisa. Maria Luisa est un cas un peu à part parce qu'elle a chanté avec nous de nombreuses années et elle nous a fait l'amitié de nous rejoindre de nouveau après une longue absence. Nous commençons avec une chanson qui appartient à un genre en vogue chez les artistes comiques de cabaret au début du XXe siècle. Humoristique, quelquefois même satirique, c'est le typique non-sens de celui qui parle pour ne rien dire et n'écoute jamais les autres. À travers le jeu des voix, nous vous entraînons dans une joyeuse sarabande. Écrite par Joseph Beauvais, voici Mélie Mélo. L'histoire m'a dit avec ton bien.
nous allons changer complètement de genre. L'amour, sujet éternel, une histoire d'amour avec ses émotions, ses espoirs, ses soupirs, ses désirs. Une romance poétique composée, paroles et musique, par Giuseppe Cerutti. Voici Chanson d'amour. Je précise au jury que le morceau sera chanté un demi-ton plus haut. Merci. Le quartet de Tchètre fit ses premiers pas au début des années 40 et termina sa carrière en 1988 avec le décès de Giovanni Giacobetti, l'un de ses créateurs. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront que cette chanson était l'indicatif du programme télévisé Studio Uno en 1961. Elle avait à l'époque reporté le quartet en tête du classement des chansons de variété. C'est une œuvre différente des compositions plutôt humoristiques du groupe. Une ravissante mélodie, délicieusement mélancolique, avec, comme toujours, la touche Tchètre, un arrangement très raffiné. C'est donc ainsi que nous vous quittons. Merci de votre accueil et bonne fin de soirée. Voici Ricordi della Sera.
Seigneur.